Bonjour à tous les Brooders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Après l'effort, le réconfort, on va claquer nos tickets SSR garantis, mais pas sur ce portail, même s'il y a des trucs qui m'intéressent. Ce portail est pas dégueu parce que j'ai pas Margaritas, je l'ai pas. Vados, je sais pas si j'ai un 100%, pareil pour Whis. Par contre, c'est sûr que j'ai un 100%. Elle, c'est en sans écoutière. Elle, j'ai pas de doublon dessus, je crois. Et lui, c'est pareil. Donc, c'est parti, les amis. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il faut faire. Un petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis. Le lien se trouve, comme d'habitude, dans la description. Vous êtes nombreux à venir sur Twitch, mais aussi nombreux à ne pas venir sur Twitch, les amis. Donc, si vous voulez interagir en direct live, bah, viendez. Voilà, viendez, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça que j'ai demandé, hein. C'est pas ça que j'ai demandé, là. La poussière sur du direct, oui. Est-ce que Vegeta est fuchu? Voilà. VG fraudant. Toujours VG. Toujours si fraudant le Vegeta. Allez, lâche-moi Margaritas. Je suis venu pour chercher Margaritas. Ah. Est-ce que je peux choper un truc du détecteur quand même? C'est pas le fils des 7 ans. Oui. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Pourquoi, sur ces portails-là, qui sont là depuis tellement longtemps, pourquoi on peut pas faire des multi? Est-ce qu'il y a une explication scientifique à ce phénomène? C'est comme le portail de l'arc enfant. J'ai énormément de tickets. Parce que j'ai la flemme de faire des singles. De me taper à chaque fois l'animation qu'on peut pas skip. Donc c'est... Il faut qu'ils mettent en place les multi là. Il y a urgence. C'est comme ouvrir les nœuds, tu sais, un par un. Oh, non mais... Je drop aucune carte détecteur. La flemme des développeurs. Mais je crois qu'ils ont... C'est comme pour le mode histoire, ils l'ont oublié. Voilà. Un jour ils vont se réveiller, ils vont se dire « Ah tiens les gars, on a fait un truc il y a 5 ans. Ça vous dit, on remet ça à jour ?» Ouais, pour l'instant, ça sent le game shaft quand même. Mais je suis pas venu ici pour souffrir, les amis. Mieux vaut se faire shaft avant les 7 ans. Oh. Alors, lui là, il est sorti, je crois qu'il est sorti en 2016. Lui, il obtient pas un ZTUR de dingos. Je vais péter le plomb. Cette vieille carte. Je crois que c'est le troisième carnage du jeu. Il vit vieux. Il vit vieux, les gars. C'est horrible. À quel point il est vieux. Il attend son tour sagement. Miskin. Quand j'ai commencé il y a 5 ans, t'étais content de l'avoir. Ok, lui je l'ai pas à 100%. C'était le Xenotrunks Endurance. Il carnage que lorsqu'il passe ZTUR. Ce Miskin. Ah, détecteur les amis. Il était temps. Allez, Margaritas, c'est maintenant. Margaritas ou Zangias. Allez. On s'en bat les couilles tiers. Mais vraiment. Bon, peut-être qu'un jour passera ZTE, hein, mais pour l'instant... Son élément de présence. Ah ouais, ça drop tout sauf les unités du détecteur, c'est incroyable. Karoli. Après il est pas dégueu en ZTR, mais je crois qu'on s'en bat les couilles quand même un petit peu. C'est un peu dommage. Il est moche, ouais. J'avoue que normalement Broly qui fusionne avec Goku, normalement c'est une bête, non?
Ça aurait dû être une bête. Mais ils ont fait de la merde, je trouve. Ah ouais. Ouais, le portail est pas si worse en vrai. J'arrête quand tu drops que de la merde comme ça là. Ça fait mal au cœur là. Le calme avant le braquage. J'espère qu'on va tous braquer les amis. Oh, bon lui il est pas dégueu en vrai. Non ça va. Pas dégueu. Bon encore 5 fois 8. C'est ça, ça fait 40. Au moins une margarita c'est quand même les gars. Non? Au moins une. Bye bye les gars. Ah oh, putain lunch, je crois que c'est sûr que j'ai à 100%. Mais elle est vraiment bien lunch. Hein. T'as combien de DS? J'ai bientôt 7. Bientôt. Oh, le duo de l'amour détecteur les gars. C'est la bonne. C'est la bonne les amis. Ça sent le margaritas. Ça sent là, ça sent bon. Le passif. Non, mais c'est juste que je l'ai pas, Marguerite. Je l'avais pas. Une nouvelle unité into the box. Et voilà la pizza. C'est vrai que c'est une autre pizza. Je l'avais pas. Petit cadenas. Bah, du coup, on va changer de portail, les amis. On va aller chercher là. Le truc, je l'ai pas fait. C'est 18 non plus. Pan, je crois que j'ai un doublon. Et lui, je l'ai pas, je crois. Mecha Freezer. Donc, ça peut servir pour les Chain Battle. Let's go, les amis. Let's go. Ça peut être droppé 3 fois la ribrie de ses morts. Oh. Faut pas dire ce genre de termes. La ribrie mérite le respect, quand même. Elle a un mode Ozaru incroyable. Oui, je l'avais pas. Nice. Trunks jeune. Le charisme était à son paroxysme quand il avait cette coupe de cheveux. Ah, il transpire pas le charisme là. C'est dommage qu'on n'a pas un Dokkan Fest Trunks cheveux longs comme ça. C'est dommage. Il était à son prime exactement. Oh, détecteur. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on me respecte. Ah, SSJ3 égale SSR garantie, les amis. Oh, le doublon. Vivement son TUR. Et de deux. Allez, retour 100%. En 2023, c'est possible, c'est possible. Ah, hit, c'est pas mon rêve. Oui, tu sers à rien ici. Tu sais ça ou pas? Est-ce que tu sais que oui, tu sers à rien ici? Ce jeu existe encore? Tu vois de quel jeu? Imagine oui si proc. Ah. Alors, il est pas mauvais. Mais on s'en bat les coutières. Ah ouais, ça clairement, ça c'est la pire transformation de Trunks. C'est la transformation qu'on aurait jamais eu. Enfin, qu'on aurait aimé ne jamais voir, tu vois. Le duo de Miskin. Ah, lui je crois que je l'avais pas. Le C17 Hellfighters. Il y a encore des gens qui forment ce jeu. C'est bizarre ta question.
C'est un jeu qui génère encore pas mal de thunes. Je sais pas, t'as pas vu les top 1? On a fait combien de top 1 cette année déjà? Oh là là là, on tout 100% les gars. Je veux dire, un jeu qui meurt, c'est un jeu qui ne fait plus de top 1. Normalement. Il est super shaft vénère. Non, le jeu n'est pas mort. Le jeu fait des top 1, donc un jeu ne peut pas mourir s'il fait des top 1. Même si c'est une fois tous les 2-3 mois, mais ça reste quand même un jeu qui fait des top 1. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un jeu qui fait plus de top 1, qui fait des top 50, là oui, on peut se poser des questions. Alors, normalement... Normalement, lui, j'ai pas de doublon. On va quand même vérifier. Oh, là, je l'avais pas. Oh, donc j'ai tombé 3 nouvelles cartes, là. Lui, c'est sûr, je l'avais pas. J'avais pas le farmé à l'époque. Là, j'ai tombé 2 doublons. Oh, c'est parfait. Et... Margarita, c'est sûr, je l'avais. Hop. Merde. Attends. Ouais, je l'avais pas. Non, c'est parfait, les gars. Incroyable. Qui l'aurait cru? Mais voilà, on se retrouve avec 3 nouveaux SSR dans la box. Ça peut servir pour le chain battle. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée les amis. Dites-moi ce que vous avez droppé. Là, clairement, c'est pour la collection et puis pour le chain battle. Hein. C'est bien d'avoir des unités divers et variés pour ce mode de jeu hein, qui demande quand même d'avoir une box un peu variée. Voilà, sur ce, passez une bonne journée. Le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch comme d'habitude. Le lien se trouve dans la description. Ciao, ciao.